ville enchantée. Happy to see you, blime, reste, stay. Ville comme un bienvenu, welcome. In cabaret, tout cabaret, au cabaret. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette magnifique Grange Lac. Vous ne rêvez pas, ils sont bien là. Ce n'est pas une utopie, hein, bien sûr. Ils sont là, ils sont juste sous vos yeux, tous là, hein. C'est bien sûr la chorale des collèges, pour le plus grand des shows, bien sûr, hein. Oh, c'est le plus grand des shows. Oh,
Bien. Maintenant, nous allons continuer avec une pardon, musique... Pardon, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Pardon, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, vous venez tout simplement d'arriver pour le plus grand des shows, franchement. C'est pas génial? Mais il n'y avait pas ici un cours de yoga aujourd'hui? Un cours de yoga? Vous croyez vraiment que cette grange lac ressemble à une salle de gym? Effectivement, maintenant que vous le dites, c'est pas croyable ça. Je me suis encore trompée. Ça n'arrive qu'à moi ce genre de situation. Oh, mais j'ai un peu d'empathie. Et vous voulez... Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Vous pouvez m'emmener à mon cours de yoga? Alors non, malheureusement, parce que je dois présenter le spectacle. Bon, bah tant pis, dans ce cas, non. Je vais y aller. Attendez. Autant que vous soyez là. Autant regarder le spectacle avec moi. Ouais, bah moi j'ai cours de yoga avec ma prof et j'ai vraiment besoin d'aligner mes chakras. Ah, mais je vous garantis qu'une fois que vous aurez vu le spectacle, vous serez revigoré comme jamais, comme Jaja, comme ils disent les jeunes. Et c'est long ton truc? Oh, l'affaire de 2-3 musiques. Bon, je n'aime pas trop ça. Mais juste parce que c'est gratuit, je veux bien rester. Ah, cool. Dis, je peux te poser une petite question? Oui. Est-ce que tu as déjà eu des rêves, toi? C'est quoi tes rêves? Oh, bah, moi j'en ai plus trop. Mais quand j'étais jeune, je rêvais de toutes ces choses que je pouvais faire pour bâtir un monde aux mille couleurs. Pour forcer les barrières, les portes, faire tomber les murs. J'avais de millions de rêves en tête. Ah, a million dreams. Close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the doors, through where no one's been before, but I feel like home. They can say all sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can redo the world that we design. Bye.
Tu sais, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Tu sais, moi par exemple, ça m'arrive de rêver. Moi je rêve du grand amour, vois-tu. Tell me more, dis-moi plus. Tu veux en savoir plus, hein. Moi je rêve d'une belle personne. Blonde, avec des cheveux, des yeux un peu bleus. Et on se balade sur la plage avec... comment peut-on appeler ça? Si, non, on se bat sur la plage, sur le sable fin, avec le bruit des vagues. Oui, c'est ça, le bruit des vagues. Et on se tient dans les bras, on se tient la main, ou les deux même. Et... ah, c'est beau. Ah, j'imagine beaucoup de choses avec cette belle personne. Ah, c'est beau, hein? Moi, c'est mon rêve à moi. Ouais, bof. Je m'attendais à mieux. Ah, les nuits, l'été. Ça me fait penser à un jeune garçon que j'ai rencontré dans ma jeunesse. Il s'appelait Gavroche. On s'est rencontrés en cherchant des rats dans la ville à cause du dessin animé Ratatouille. On voulait avoir exactement le même.
On a fait vraiment plein de bêtises ensemble, juste pour rire, évidemment. On a fait des canulars téléphoniques, on a chupé des bonbons chez le marchand. On a réveillé tout le quartier à 3h du matin à cause de pétards. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a enroulé de papier toilette la voiture de la maîtresse, pour rire, c'est drôle. Et voilà, on en a fait d'autres, des bêtises. Et ça, c'était le bon vieux temps. Et quand Gavroche se faisait prendre, il disait toujours « C'est pas de ma faute, c'est de la faute à Voltaire. » Je suis tombé par terre. Le nez dans le ruisseau. Si je suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si je suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux triangle avec un cœur gros comme ça. Un va du pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qu'il me plaît pour payer, pas de problème. Je fais des pieds dorés aux marchands et à leurs dames. Et pour te rattraper, il leur faut plus d'argent là. On me connaît partout, de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé par tous, par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. C'est la faute à Rousseau. C'est la faute à Voltaire. C'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas Voltaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau. C'est la faute à Rousseau. Non, mais c'est pas vrai. Il est passé où, monsieur Loyal? J'ai pas son temps, moi. Il faut que je rentre chez moi pas trop tard. Et j'ai les chakras tout retournés, moi. Monsieur Loyal! Je suis là. Attendez. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que je suis en train de me laver les dents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'il y a un chanteur qui est mort, et qui est blessé, pardon? Ou est-ce que le public est parti? Je voudrais savoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Explique-moi, s'il te plaît. Rien de tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que je n'aime pas trop. Il y a beaucoup de bonne humeur. Puis de la guimauve. Puis des chansons plus tristes. Ah, c'est juste ça, d'accord. Non mais, les comédies musicales racontent souvent la vie
avec ses côtés de joie, mais aussi sa part plus sombre, son côté obscur. Car, hélas, l'homme peut être une bête immonde quand il se nourrit de la haine, de la souffrance, de la peur, de la tristesse, de la rancœur et de la vengeance des autres humains. Ça fait peur. Non, mais tu as entendu les paroles? J'avoue, je maudis tous ceux qui s'aiment. Ah bah, c'est sûr que c'est sidérant, hein. On est loin de mes nuits d'été, hein, ça c'est sûr. Moi, j'en ai assez de ce monde qui est en train de devenir fou, de la méchanceté gratuite, du harcèlement, de l'indifférence face aux plus démunis, du dérèglement climatique aussi. Et je ne te parle même pas du variant, lui-même variant, du KC-892X. C'est sûr, mais pense aussi aux gens qui sont obligés de fuir leur pays et qui viennent vers nous et nous demandent juste asile. Ah.
nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus de 1000 aux portes de la ville, et bientôt nous serons 10 000 et puis 100 000. Nous serons des millions qui te demanderont asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des vanités porte de la ville, et la ville est dans l'île de la cité. Le monde va changer, et va se mélanger, et nous irons jouer dans l'île. Ça m'a tendu. Cette musique et puis cette ambiance. J'ai besoin de nourriture. De nourriture. Oui, quand moi je suis stressée, j'ai besoin de manger, de beaucoup manger. Malheureusement, j'ai pas grand-chose. Enfin, à vrai dire, j'ai rien en fait. Enfin, même pas un sucre? Non, j'ai rien, je te dis. Attends, si, je crois qu'il me reste quelque chose dans ma loge. Je crois qu'il me reste un paquet de marshallow. Un quoi? Un marshallow. Marshallow. C'est même pas drôle, enfin. Ouais, mais ça fait une bonne transition. Ouais, mais c'est nul quand même. Bon, allez, place au show. Aïe. Good times, I'll find myself.
looking for a change. And it's the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to feel that void? Or do you need more? And it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In other good times, I find myself longing for change. Bad times, I fear myself. Ah, moi, ces petites sucreries m'ont fait un bien fou face à tant de désespoir. Hein. Hélas, malheureusement, il faut parfois pouvoir toucher le fond pour espérer remonter à la surface. Et ne jamais oublier qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Croire en ses rêves, en l'espérance de reconstruire un nouveau monde. Oui, une autre vie, une autre destinée. Et qu'arrive enfin le grand jour. Jean Valjean. Enjolras et les Thénardier. Éponine. Cosette. Marius et Javert. Le grand jour, une autre vie, une autre destinée, délivré d'avoir à fuir à perpétuité. Mais aujourd'hui, jugement ultime, je t'accorde de révéler ces crimes au grand jour. Demain, je ne la verrai plus. Mon sang se glace dans mes veines. Le grand jour. Je l'ai fort en ma mémoire.
elle va. Demain sur la barricade. Suivre mes frères au combat. Le grand jour se lève enfin. Comment faire, elle tient le droit. Et les droits de l'homme s'écrient. Amis, c'est l'heure. Demain arrive. Le grand jour. L'heure est maintenant, culotte courte. Je la suivrai dans le rang. Je les pousserai sans qu'ils s'en doutent à s'éclabousser de leur chant. Ils vont au casse-pipe, on attend que ça fume. Quand ils ont du plomb dans la noue, on les plume. Un bijou ici, un petit sou en face. Y a plus qu'à attendre l'ouverture de la chasse. Le grand jour patriotique. Le progrès reprend sa marche. Combattant de l'avenir. Ressurgit de son lanceur. Alors, ce grand jour, t'en as pensé quoi ? Mouais. Mouais ? Quoi, mouais ? Je sais pas, moi. C'était bien, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose ? Je suis pas d'accord. Regarde, j'ai encore les poils tout hérissés sur les bras. Mouais, je sais pas, moi, mais... Ah si, je sais ! Il manque des danseurs ! Des danseurs ! Des danseurs ! Des danseurs ! Non, mais sérieusement... On n'en a pas en stock. Et puis quoi encore ? Des voltigeurs ou des cracheurs de feu tant qu'on y est ? Ah ouais, ce serait trop bien ! Non mais, t'es pas croyable. Et si tu veux danser, je te propose une musique avec un rythme latinos et du flamenco. Et qui parle en plus de ça, du rêve américain. America ! My heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I love the island Manhattan. Smoke on your pipe and put that in. Yeah.
Oh. Wow. Ah ouais, waouh. Wow, t'as vu ça? Ouais, c'était génial. Ah mais moi, ça m'a décoiffé, hein, je te jure. Hein, c'est... Ouais, oh. je vois ça. Ouais. C'est quoi la suite? La suite? La suite, ouais. Ça, attends. Non, attends, deux secondes. Ah, j'ai trouvé. C'est quoi? C'est une des plus belles chansons d'amour. Oh, encore ton rêve de nuit d'été. T'es vraiment trop fleur bleue. Oh, tu comprends rien. Faisons de nos mains une seule main. Faisons de nos cœurs un seul cœur. One hand, one heart. Même la mort ne pourra nous séparer. À chaque fois, c'est pareil. Il va me falloir des jours pour m'en mettre. Hé, mon grand, va falloir te reprendre. Tu dois le représenter à tous, là, le spectacle. Ouais, mais j'y arrive pas, moi. C'est trop dur. Ouais, heureusement que j'ai tes fiches. Ah oui. Je vais te trouver une chanson pour te remonter le moral. Oui. J'espère, d'ailleurs, que personne ne viendra nous déranger pendant les musiques. Ah, moi aussi. Ah oui, je sais. J'ai trouvé le top du top pour rebooster les chakras. Ça va permettre à toutes les parties de ton corps de bouger. Ce soir, on danse. Yeah.
Ah, merci, je suis tout ravigoté. Heureusement que personne n'a eu l'idée de venir déposer une bombe dans les choristes, là. Ah, c'est génial. On se serait cru à Ibiza. Ah, tu connais ? Ah oui, oui, enfin, en fait, non. En fait, j'ai un pote d'un cousin qui a une tantine qui est du troisième doigt, je crois, je sais plus quoi, qui a un chien. Ouais. Tout qui a été, en fait, tu vois. Ok. Et pareil que c'est le top, là-bas, il a été pendant les vacances de Noël et tout. Moi, honnêtement, je préfère les vacances au vert, sous une tente. Moi, ouais, chacun ses goûts. Sinon, dis-moi, petite question. Est-ce que tu sais comment on fait une comédie musicale, une vraie ? Non, je sais pas. Ben, c'est très simple. À vrai dire, j'ai un certain talent pour faire des comédies musicales. Voyez-vous, je fais des comédies musicales un peu tout le temps. Vois-tu ? C'est très simple. Je vais t'expliquer rapidement. D'abord, tu commences par raconter ta vie. Ouais. Après, tu y mets quelques instruments. Ensuite, tu y mets un rythme entraînant. Vois-tu ? Ouais. Et après, tu mets un refrain assez sympathique. Ok. Tu vois ? Et ça donne quelque chose. Les micro-ondes pour cuisiner, c'est bien pratique, oui, mais y a un mais. Pour les pizzas, c'est vraiment pas fameux. Et pour les pâtes, c'est carrément pâteux. Les micro-ondes, on les programme. Mais attention, tout ça peut tourner au drame. Si on s'en sert comme un sèche-cheveux, ça peut donner des boutons sur les yeux. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner. On se sert que des plats tout prêts. On se gelé au nucléaire. Une vieille couleur, une pomme de terre. On renverse ça de cuisiner. Et nous, on est bien trop filés. Et quand le soir, on a la dalle, on s'est l'idéal. Non mais t'as craqué. C'est quoi cette chanson ? Oh, t'es jamais contente, hein. T'es jamais contente. Oh, excuse-moi. Bon, après, je te l'avoue, c'est pas la meilleure musique. Je te l'avoue. Et les paroles laissent vraiment à désirer, vraiment. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que les meilleures comédies musicales, elles parlent de... De quoi ? Je sais pas, moi, dis-moi. Mais, oh, les gens, ils ont besoin de quoi, là ? Les gens, là, ils ont besoin de quoi ? Eux, là ? Ouais, ils ont besoin de quoi ? Vous avez besoin de quoi, vous ? Pizza ? Non, non. Pizza, non. Eux, ils ont besoin de zénitude. Ils ont besoin de zénitude. De zénitude. Comme si ça servait à quelque chose, la zénitude. Mais ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, mais qu'ils peuvent ressentir, enfin, qu'ils ont... Vous avez besoin de quoi, vous ? Non, je sais, ils ont besoin de l'air. D'air ? Non, mais ils n'ont pas besoin d'air, eux. Enfin, théoriquement, vous avez besoin d'air. Je vous le confirme, parce que sinon, c'est compliqué sans air. Mais non, ils n'ont pas besoin... Enfin, c'est pas le... En second, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de... C'est un sentiment qu'ils ont en eux, où ils éprouvent une affection pour quelqu'un d'autre, où ils ont une attirance particulière et ils éprouvent quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour ! Voilà. Thank you.
toi avec tes chansons d'amour. Je te le répéterai jamais assez. Mais tu es trop fleur bleue. Ah ouais, allez, j'avoue. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, et que tu comprennes surtout, c'est que les gens, enfin, sans certaines choses, ils ne sont rien, tu vois. Sans quoi? Sans amour, enfin. Oh, tu suis un peu. Ouais, ouais, je suis. Ah bon. T'es peut-être différente de moi, mais je t'aime bien, t'es une bonne pote. Oh bah c'est gentil. Ouais. Pour la peine, je veux bien écouter une de tes chansons. Celle qui donne l'envie d'aimer. Oh oui, parfait. Thank you.
Bon, tu comprends mieux la comédie musicale maintenant ? Ouais, et je me rends compte que j'adore ça. Mais tu sais, une comédie musicale sans chanteur, ça ne serait rien, hein ? Donc on peut applaudir très fort la chorale des Corrèzes ! Le collège en partie. Ouais, je vais attendre. Le collège Jean-Marie Mollier de Boège. Le collège des rives du Léman à Évian. Le collège Jean-Jacques Rousseau de Thonon. Et le collège Paul Langevin à Ville-la-Grand. Merci à vous d'être venus si nombreux. Franchement, c'est un réel plaisir, franchement. Et une dernière fois, place au show.
C'était le plus grand des shows avec au piano Yann Carnelon. Notre prof d'histoire préférée de Rousseau, mais à la guitare ce soir, Guillaume Héro. Notre métronome émérite, Geoffrey Hartley. Il est professeur à Ville-la-Grande, Jean-François Quignoux, mais ici aussi, Javert, faut pas rigoler, à la basse, Jean-François Quignoux. Professeur au collège de Mouez, Elisabeth Baratem, et ici, à la clarinette, Elisabeth Baratem. C'est la locale de l'État, elle organise tout ici, elle est incroyable. Mais ici, c'est au cornet qu'elle s'entraînante. 125 ans. Alors c'est la petite nouvelle de l'équipe, au violon, mais aussi également donc professeur au collège des Rives, Eugénie Sepaille. Alors elle est multi-instrumentiste, vous l'avez vu ce soir au percu, vous l'avez vu au saxo, vous l'avez vu à la clarinette, Flore Bouillou. Le présentateur magnifique, on retrouve Alexandre qu'on a vu déjà sur le spectacle, ça c'est vraiment toi, Émilie. Notre directeur de chœur Sébastien Châtelain. Sébastien Bazin. Il a été assisté bien sûr par Marc de la salle, la consolade bien sûr. Merci à Marc. Vous avez peut-être vu l'affiche, vous avez vu les billets. En fait, il a fait l'infographie, c'est mon collègue Nicolas Martin. Alors, vous les avez entendus chanter en solo, ils sont formidables, hein, vraiment, nos solistes. Un grand merci également, un grand bravo. Nous, on les remercie beaucoup parce qu'ils font tout le travail, un peu les tâches, vous savez, d'engueuler les œils, ils vont chercher les pique-niques qui sont par terre, enfin voilà. Ce sont tous nos adultes de la chorale. Et bien sûr, ceux pour qui on fait tout ça, nos choristes. C'était le plus grand des shows. Thank you.
Merci public, on vous aime. Tell me something, boy. Are you tired trying to feed that boy? Or do you need more? And it how keeping is so hardcore. I'm falling. In other good times, I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself